bien salut à tous et à toutes, c'est le Psychotwin et aujourd'hui on se retrouve comme vous pouvez le voir pour une petite vidéo récapitulative de la semaine. On tenait à faire un petit récap parce qu'il y a eu beaucoup de vidéos de cette semaine et pour ceux qui en auraient loupé, et bah voilà, vous aurez toutes les vidéos disponibles dans cette vidéo justement. Donc la première vidéo de la semaine c'était du League of Legends avec le champion V que jouait mon frère, il était en compagnie de Lucas. Elle ne va pas faire un score si exceptionnel que ça, mais vous allez voir que Lucas va bien enchaîner. Mais c'était plus pour découvrir le personnage qu'autre chose, donc un lien s'affichera à l'image si ça vous intéresse. Encore une game de League of Legends, cette fois c'est avec Zilean, on était en compagnie de Reapers et de Lucas, nos compagnons habituels, d'ailleurs merci à eux. On jouait Zilean donc en support, donc si vous avez envie de savoir un peu comment jouer support, etc., je pense que ça peut vous intéresser. On continue sur les vidéos de la semaine avec du Black Ops 1, un gameplay qui m'a été proposé par mon ami Olubert, d'ailleurs merci à eux. Je vous fais un petit clin d'œil dans cette vidéo, donc on parle pas mal de choses dans cette vidéo, donc si ça vous intéresse, notamment de nouvelles séries, etc., etc. Et puis un bon massacre sur Black Ops 1, ça fait jamais de mal, donc si vous avez envie de voir, petit lien qui s'affiche maintenant. Toujours dans le Black Ops, cette fois-ci un gameplay sur Black Ops 2, toujours par le même auteur, à Olubert, encore merci à lui. C'est un gameplay encore massacre, vous allez voir qu'il va faire un assez bon score. Et je vous parle de 2-3 choses, donc si ça vous intéresse, toujours pareil, une petite annotation. Ensuite, on commence avec le guide du Hunter, le premier qui est sorti. C'était un guide sur le Kurupeko. Donc s'il y a des débutants dans Monster Hunter 3 qui vous seraient intéressés par ce guide, n'hésitez pas à aller le voir, même pourquoi pas les experts, si ça peut les intéresser. En tout cas, j'explique tout ce qu'il y a à savoir, toutes les esquives, toutes les attaques, les points faibles, tout ce qui se casse. Enfin bref. Tout ce qu'il y a à savoir sur ce fameux Kurupeko est là-dedans, je pense. Et encore un guide du Hunter, cette fois-ci sur le Ludroth. Monstre pas toujours évident, donc si vous avez envie d'aller voir comment bien lui maraver la gueule, et je vous conseille d'aller voir ce guide. Ça en a aidé plus d'un jusqu'ici, enfin c'est ce qu'on m'a dit dans les commentaires. Donc s'il y en a qui voudraient se mettre au jeu ou alors reprendre carrément le jeu, et n'hésitez pas à aller voir, ça pourra fortement vous aider, du moins j'espère. Donc voilà, tout ce qu'il y a à savoir toujours sur ces attaques, etc., c'est là-dedans. Ensuite, on continue avec une petite nouveauté sur notre chaîne, en effet, puisqu'il s'agit de Smite, qui est un MOBA, un peu style League of Legends, mais vu de plus près, vu de derrière votre personnage, contrairement à vu d'en haut. C'est un MOBA très prometteur, je vous conseille d'aller voir, c'est très intéressant comme jeu. Ça change un petit peu, puis c'est quelque chose qu'on n'avait jamais fait, et apparemment ça vous a plu, donc pour ceux qui ont envie d'aller voir, n'hésitez pas. On retourne sur League of Legends cette fois-ci, on jouait avec un abonné, donc ça fait plaisir, donc merci à lui d'avoir participé, il se reconnaîtra. Donc on jouait Malazar en middle, donc ça change un petit peu, on a fait du support, ensuite on a fait de la découverte de champion, donc du top plus, et maintenant un petit peu de middle, ça change un petit peu, donc si vous avez envie d'aller voir, n'hésitez pas. Encore un petit peu de MH3, ça fait jamais de mal, surtout là qu'on va faire des défis. Donc plus ou moins compliqué, surtout le deuxième, que je vous présenterai juste après. Donc si vous avez envie d'aller voir un petit Rathalos à la lance, ça change un petit peu de notre style de jeu, donc vous allez voir qu'on va bien rigoler. En tout cas, j'espère qu'il vous plaira, et puis si vous avez envie d'aller voir, n'hésitez pas. Ensuite, on a uploadé une vidéo sur Résistance, l'épisode numéro 8, pour ceux qui suivraient le Wolfou et qui l'auraient loupé. Et ben voilà, finalement, vous ne l'aurez peut-être pas loupé si vous regardez cette vidéo. En tout cas, c'est l'épisode 8, une étrange découverte, pas mal de fails, mais aussi pas mal de rigolades. Ensuite, nous avons un nouveau défi sur Monster Hunter 3. Cette fois-ci, il est beaucoup plus épique que le premier, puisqu'on doit se faire deux Bariot. C'était un défi qui nous a été proposé par un abonné fidèle, donc on a tenu quand même à le réaliser. Donc merci à lui, il se reconnaîtra. En tout cas, si vous avez envie de voir un peu de challenge et un peu de PGMisme dans ce monde, eh ben n'hésitez pas à aller voir ce défi, il était plutôt bien réussi. J'ai plutôt pas mal joué, donc un petit peu de Monster Hunter 3, ça ne fait jamais de mal. En tout cas, si ça vous intéresse, toujours pareil. Et on termine sur du Résistance, l'épisode 9, nommé un stalker, bitch. Donc pour ceux qui suivent le Wolfou toujours, même ceux qui voudraient le débuter, n'hésitez pas à aller voir, il y a une playlist pour ça. Ça en est fini pour ce petit récapitulatif de la semaine, il y a eu beaucoup de contenu. 2 vidéos par jour, c'était quand même quelque chose d'assez énorme. Donc pour cette semaine qui vient, on n'en fera pas autant, ce sera une vidéo par jour, peut-être qu'on prendra un petit jour de vacances quand même. Parce que faut pas abuser non plus.
En tout cas, j'espère que tout le contenu qu'on vous aura proposé vous aura plu. Si vous n'en avez pas vu, n'hésitez pas à aller le voir. Si ça vous intéresse, bien sûr, je ne vous force en aucun cas. Mais voilà, si ça vous plaît, si ça a l'air de vous plaire, bah, n'hésitez pas à aller le voir. En tout cas, je remercie tous ceux qui ont plus ou moins participé aux vidéos, donc Olubert, Lucas, Reapers et tout ça. Et aussi à tous les abonnés qui ont mis des j'aime, des commentaires et qui participent activement à la durabilité de notre chaîne, on va dire. On va dire ça comme ça. Donc merci à vous tous d'être si nombreux. Donc on se retrouve pour une nouvelle semaine encore plus en folie. Je vais essayer de varier les vidéos. On va essayer de faire un peu de zombies. Pourquoi pas lancer la série Psycho & Co. Et aussi la nouvelle série sur League of Legends dont j'ai parlé dans la vidéo de Black Ops 1. Donc si ça vous intéresse, à aller voir. Mais donc voilà, on va essayer de lancer tout ça et il y aura toujours du League of Legends, le guide du Hunter et aussi évidemment le défi du Hunter, on va dire ça comme ça. J'en ai déjà un ou deux dans ma tête, donc voilà, encore du gros contenu, j'espère qu'il vous plaira. En tout cas, on se retrouve pour une nouvelle vidéo, allez bye à tous.